43. Je vais te mettre plus là. Swish, swish, pish. Another one. J'ai chaud, les gars. Ah merde, mes lunettes. Je ne vois plus rien. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour un haul de rentrée. Je sais que j'ai fait un haul il y a pas longtemps, mais c'est vraiment, je sais pas pourquoi, c'est une de mes vidéos préférées, je trouve, les hauls. Et donc celui-ci, ce n'est pas un haul back to school, mais bien un haul de rentrée avec vêtements, chaussures, accessoires, etc. En tout cas, j'espère réellement que ça va vous plaire. Juste avant, n'hésitez vraiment pas à vous abonner et à commenter quelle vidéo vous voulez voir, puisque j'ai une grosse panne d'inspiration en ce moment. Et surtout, allez me suivre sur Snapchat et Instagram que je vous mets juste là, parce que je suis vachement présente dessus. En tout cas, j'espère réellement que ça va vous plaire et c'est parti. Alors, on va commencer par tout ce qui est accessoires et ensuite on ira plus vers le... beauté entre guillemets. Donc j'ai commandé sur le site Lalalab et l'application Lalalab des photos en format Polaroid, parce que je trouve que c'est un bon moyen justement de montrer nos souvenirs d'été. Donc voilà, ça c'est une de mes photos de cet été. J'en ai une avec ma meilleure amie. Bah voilà, celle-ci par exemple, ce sont des photos de cet été que j'ai prises. Il y en a une aussi avec Auria que j'ai rencontrée au YouTube Space. Avec Lalalab, c'est une application que vous pouvez télécharger. Personnellement, elle est là. Et je trouve ça vraiment tellement cool parce que donc vous pouvez choisir en fonction de ce que vous voulez. Personnellement, moi je suis là en tirage et j'ai pris les mini vintage parce que c'est les formats Polaroid. Et ensuite vous sélectionnez, c'est vraiment pas cher. Vous pouvez en prendre à l'unité, en paquet de 50 ou de 100. Et par exemple, ensuite, vous sélectionnez une photo, par exemple, donc celle-ci. Et vous pouvez choisir la couleur du truc qui entoure, voilà. Vous pouvez écrire un truc. C'est vraiment super cool et super intéressant. Et j'ai un code promo pour vous. Donc, c'est avec le code HELLOTUBE, donc H-E-2-L comme... Hello Héloïse un peu, donc Hello Tube, tout attaché. De toute façon, je vous mettrai ça sur l'écran et en barre d'infos. Et donc vous avez moins 30% avec ce code promo. Comme je vais bientôt déménager de toute façon, ces Polaroids vont bientôt se retrouver dans ma prochaine chambre. Donc voilà. Ensuite, je suis allée chez H&M et je me suis racheté des petits élastiques comme ça, vous savez... en plastoc comme ça, parce que je trouve que c'est vraiment des super élastiques, c'est mes élastiques préférés. Et ensuite j'ai également acheté des mini élastiques transparents comme ça pour faire les petites coiffures et tout, parce que j'en ai pas et il m'en faut tout le temps. Donc j'ai eu ce livre, la deuxième saison de Blacklist de Alison Noël, et donc c'est la maison d'édition HarperCollins. Et c'est vraiment une super histoire, c'est une histoire un peu de star, etc. Et je ne pense pas que j'en parle souvent sur ma chaîne, mais la lecture c'est vraiment une partie de ma vie, puisque je lis des livres tous les jours, que ce soit, j'ai une énorme bibliothèque qui est pleine, j'ai une Kindle, j'ai l'application Kindle même sur mon téléphone, et j'ai également l'application Wattpad sur laquelle je passe toutes mes journées. Mais voilà, j'aime aussi les livres en papier, et donc il ne se passe pas une journée sans que je ne lise au moins 2 heures. Et je peux même lire un livre entier par jour, ça ne me dérange pas. Ce livre là je l'ai lu en une seule journée, puisque j'ai tellement adoré, quoique j'ai pas arrêté. Et donc c'est également un partenariat que j'ai reçu grâce à Octoly. Mais voilà, j'aurais acheté le livre de toute façon. Je conseille vraiment de le lire, je vous mettrai le livre en barre d'infos tout simplement. Ensuite j'ai... acheter ces boucles d'oreilles à Ima avant les vacances, pareil, c'est la première fois que je les mets parce que j'ai pas beaucoup l'occasion de porter ce genre de boucles d'oreilles à l'école, etc. Bah parce que voilà, elles sont argentées avec des sortes de faux strass, et pour le coup elles ne m'accrochent pas du tout les cheveux, contrairement à d'autres créoles que j'ai déjà eu l'occasion de tester et qui elles m'arrachaient. Mais voilà, je les aime beaucoup beaucoup beaucoup. Ensuite à H&M, je me suis acheté une coque de téléphone, parce que j'en ai parlé sur Snapchat, mais en fait mon téléphone s'est pété, l'écran s'est totalement explosé, mais du coup j'ai acheté une coque qui protège bien les bords, etc. Et puis elle est transparente derrière, donc je peux la personnaliser au pire. Et par contre les bords sont argentés, comme moi j'ai un iPhone argenté, bah, j'ai trouvé ça trop beau. Ensuite j'ai acheté des chaussettes chez H&M, blanches, noires, etc. Voilà, basique, mais on en a toujours besoin. Ensuite j'ai acheté le masque luminothérapie de chez Neutrogena.
Je trouve que c'est une révolution pour ma part parce que ça fait moins d'une semaine que j'utilise, mais ma peau a vu des effets au bout des deux premières utilisations. Je ne dis pas n'importe quoi, franchement, je l'ai acheté moi-même, etc. Et ma peau a vu des super gros effets, ma peau est bien mieux, les boutons commencent à partir, l'inflammation également. Donc voilà, je trouve ça vraiment super cool et je vous le recommande si vous avez une peau acnéique ou même si vous n'avez pas d'acné mais genre des mini boutons, etc. C'est vraiment super cool. Donc le prix c'est 60€, donc c'est pas donné, mais moi je trouve que c'est un super bon investissement et je recommande à toute personne. Alors ensuite, comme vous pouvez voir là, c'est des chaussures. Donc on a acheté deux paires de Nike pour la rentrée. De toute façon, je mets des baskets tous les jours, donc moi vivre sans baskets c'est pas possible. Déjà deux paires d'Adidas, dont une qui est en tissu, ce sont des gazelles, je vous mettrai la photo juste ici. On les a eu en outlet à 30€ de toute façon, mais donc je peux pas aller vraiment les mettre toute l'année parce que c'est en tissu et du coup c'est vraiment pour l'été, donc je peux encore les mettre genre un mois. Et les deuxièmes, ce sont des superstars que je vous mettrai juste ici, noir avec le bout rose gold. Et du coup je me suis pris des Nike Lifestyle, donc ce sont des très jolis Nike en suédine crème, beige crème un peu, que je trouve magnifique. Et derrière il y a cette sorte de bande dorée que j'adore. Voilà, je les aime beaucoup, elles sont super agréables à porter. Je les mets tout le temps depuis que je les ai reçues. Il y a trois gammes chez Nike, il y a les Lifestyle, les Train et les Running. Donc moi j'ai pris des Train simplement parce que je vais faire de la course, mais je vais surtout faire de la danse et je vais essayer de me mettre un peu à la boxe cette année. Donc voilà, il me faut vraiment des chaussures qui me tiennent aux pieds plus que les Running qui sont légères et tout. Et du coup j'ai pris celle-ci, donc elles, ce sont les Nike Zoom. Voilà, elles sont vachement jolies, elles sont grises, un peu chinées comme ceci. Elles sont un peu transparentes et tout, mais bon voilà, je les aime beaucoup. Je les adore vraiment et je vais les mettre au moins deux fois par semaine avec le sport à l'école et aussi bah, ma danse et tout simplement la boxe machin. Et bah voilà, je les adore également. Ensuite je passe à du maquillage, donc je vais essayer de faire ça rapidement. J'ai tout d'abord eu la Naked Heat, donc ça je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo valise que je vous mettrai juste ici. Mon père l'a ramené de New York. Voilà, le packaging est magnifique. C'est une de mes palettes préférées avec la Modern Renaissance, je pense. Les couleurs sont tellement belles. Voilà, donc de toute façon c'est tous dans les tons chauds, etc. Et je trouve ça magnifique. Donc j'aime beaucoup cette palette. Et mon père m'a demandé, sans que je lui demande, de New York, pareil, un rouge à lèvres, donc toujours de la gamme Heat. Et donc lui c'est le Fuyo. C'est un cream. C'est une couleur vraiment très très jolie. Elle est nude en étant toutefois forte. On la voit pas mal, mais j'aime beaucoup en tout cas ce rouge à lèvres, je le trouve vraiment super joli. Et ensuite donc je suis allée chez MAC. Ma mère a acheté un rouge à lèvres qu'on voulait toutes les deux. Donc lui c'est le Disobedient de chez MAC, c'est un métallique et regardez-moi cette beauté. Hop là. Voilà, donc c'est un très joli violine avec des paillettes que je trouve magnifique. Et donc on est allé à MAC et j'avais vu un blush, un rouge à lèvres que j'avais adoré, et également des pigments sur lesquels je louchais, mais je me suis dit jamais je les achèterai parce que c'est trop cher pour le coût des pigments et je n'en utiliserai pas. Et donc je suis retournée, je me suis pris finalement le blush que je voulais. Donc c'est le Extra Dimension Blush, c'est le Hush Tone et il est très joli, c'est celui que je porte aujourd'hui, mais il n'est pas du tout rosé. Pour le coup il est un peu marronné, il est assez foncé parce que je l'ai pris assez foncé pour pouvoir l'utiliser en sorte de bronzer, blush et highlighter parce qu'il est super pigmenté, brillant. Voilà, c'est quand même un highlighter à part entière en fait, je trouve vraiment magnifique. Et ensuite j'ai donc pris le Plum Dandy, c'est un rouge à lèvres et lui c'est un frost. Donc la différence entre le métallique et les frost, simplement que les frost, les paillettes, en fait il n'y a pas vraiment de paillettes, c'est vraiment des sortes d'hologrammes. Voilà, c'est celui que je porte actuellement sur les lèvres. C'est un très joli rosé et en fonction de la lumière, les paillettes sont dorées ou alors le rouge à lèvres est un peu marron. Voilà, ça dépend vraiment et c'est, je pense, une de mes couleurs préférées de chez MAC. Et en partant tout simplement du magasin, le mec m'a proposé de prendre des échantillons. Et alors là, j'ai sauté sur l'occasion, s'il vous plaît, mais je ne m'attendais tellement pas. Donc merci beaucoup, vendeur de chez MAC. Et donc c'est des deux échantillons de pigments et franchement les échantillons sont grave cool. Je pense que vous pouvez me demander si vous allez en magasin et que vous achetez quelque chose. Et donc j'ai eu un pigment rose gold comme ceci.
aussi. Je sais pas si ça se voit bien. Je vous mettrai la photo du pigment et le nom juste ici parce que du coup je sais pas les noms, faut que je cherche. Et ensuite j'avais louché pareil la veille sur un pigment que j'ai appelé champignon venimeux, tout simplement parce qu'il est bordeaux avec des reflets, des paillettes turquoise argentées. Et pour moi je n'allais jamais, si j'achetais un pigment chez MAC, ça n'aurait pas été lui, puisque je ne l'aurais pas mis beaucoup en fait. Et mettre 22€ dans un truc que pour moi j'allais mettre 3 fois dans l'année, etc., c'était pas assez rentable. Et il se trouve qu'on me l'a offert, et donc j'ai d'abord pris lui, et quand j'ai vu que j'en avais le droit en deuxième, j'ai sauté sur l'occasion pour prendre lui, parce que voilà, c'est vraiment le premier sur lequel j'ai craqué, et je me suis dit bah de toute façon je le paye pas quoi. Donc voilà, c'est lui, il est bordeaux avec des sortes de paillettes turquoise, je le trouve magnifique. Ensuite on passe aux vêtements. Donc c'est un mélange de vêtements que j'ai acheté avant et après être partie en vacances. Donc premièrement, avant les vacances, pendant les soldes il me semble, j'avais acheté ce joli t-shirt à manches courtes qui dit Overlook. Donc il est rouge, je n'ai pas de t-shirt rouge, mais je sais pas, j'ai flashé dessus. Et de toute façon cette année la mode c'est le rouge, le jaune, etc. Ça revient vraiment en force, et pour être honnête le jaune c'est pas trop mon kiff, donc je me dirige plus vers le rouge. Et donc j'ai vraiment beaucoup aimé celui-ci, c'est un basique, le col est assez haut et c'est pas mes cols préférés pour être honnête, mais bon voilà, j'aime beaucoup. Et puis de toute façon je dis c'est pas mon préféré, mais j'ai pris la même coupe en kaki cette fois-ci qui dit original. Donc voilà, je les ai pris tous les deux en S, j'aime beaucoup le kaki. Cette année c'est ma couleur. J'ai ça, j'ai mon pantalon kaki, j'ai ça kaki, j'ai un autre truc kaki, j'ai plein de kaki en tout cas. Et donc voilà, les deux t-shirts viennent de chez H&M et donc je les aime beaucoup. Ensuite, cette chemise vient de chez Mango, je l'ai achetée là à la rentrée, donc elle y est encore en tout cas. C'est une donc kaki style un peu safari avec les boutons un peu bois, etc. Je l'aime beaucoup. Par contre elle est vachement chère, elle m'a coûté 35€. Donc moi je mets de plus en plus de chemises, donc et les chemises Van Gogh sont vraiment mes préférées, mais je trouve ça quand même hyper excessif. Mais j'ai craqué parce que je la trouve tellement jolie et tellement agréable. C'est un sorte de coton très très velouté en fait, donc je la trouve super agréable et je l'aime beaucoup. Chemise Mango que j'ai acheté pour le coup pendant les soldes avant donc d'être partie en vacances avec ma meilleure amie, celle-ci je l'ai achetée. C'est bah, tout simplement une chemise en coton légère, bleue avec des quadrilles en blanc. Je l'aime d'amour, je l'ai mise tout le temps et je la trouve tellement confortable. Ensuite je me suis achetée chez H&M ce pull, mais pas vraiment pull parce que c'est en maille très fin et du coup ça tient pas chaud quoi, mais c'est un sort de, c'est un genre pull kaki pareil. Je vous ai dit de toute façon le kaki c'est ma couleur cette année, je sais pas pourquoi mais voilà. Et ensuite je me suis acheté 3 sweats avant de partir. Donc celui-ci c'est un sweat à capuche qui vient de chez Pull&Bear. Pull&Bear ce sont mes sweats préférés, si vous cherchez un sweat allez chez Pull&Bear, franchement. Moi j'ai trouvé Stadium et c'est vraiment mon truc préféré, je l'aime trop d'amour, je les aime trop. De toute façon les sweats chez Pull&Bear j'en ai des dizaines. Et donc voilà, donc lui c'est un sort de parme qui dit Mermaid Squad et il est à capuche, c'est le premier sweat à capuche que je vois chez Pull&Bear et je l'ai eu en solde. Et donc voilà, je l'ai mis tout l'été, je l'ai mis au moins 20 fois. Pareil chez Pull&Bear, je me suis acheté en solde également, je crois qu'il était à 4€, ce sweat noir, donc j'ai pas de sweat noir, qui dit Girls need to support girls, donc les filles doivent supporter les filles. Et donc voilà, je l'aime beaucoup. Pareil, lui il est un peu basique. Et chez H&M, je me suis acheté un autre sweat à capuche parce que j'ai 10 sweats mais j'ai 0 sweat à capuche. Et du coup, bah là, je me suis rattrapée en en achetant 2. Et lui, il est un peu crop pour le coup. Il est crop. J'ai pris un L parce que c'est la seule taille qui restait et qui me va très bien. les manches sont un peu longues, mais de toute façon, moi, dans tous mes trucs, je mets mes manches comme ça, donc ça ne me dérange pas. Je l'aime beaucoup. Il est vieux rose assez foncé. Et sur les manches, il y a Play Hard et Work Hard. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère réellement qu'elle vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à commenter. En tout cas, merci pour les 2300 abonnés, ça me fait vraiment plaisir. Et je vous fais de gros, gros bisous et je vous dis à samedi prochain. Bah.
feuille. Swish, swish, pish. No one is... Bon. Bye. Oh, merde, mes lunettes, j'ai marché dessus. Franchement, je suis bête, quoi. Bye.